Dieses Projekt bedeutet für mich eine absolute Herzensangelegenheit, ist eine ganz persönliche Sache, weil die Figur der Frau von Schönberg mich unglaublich fasziniert, weil es so viele Farbenwechsel hat und natürlich das erste Werk war von Schönberg, das die Tonalität sozusagen aufgegeben hat. Also die Kombination von absoluter Expressivität und den Einstieg in die Moderne finde ich für mich wahnsinnig faszinierend, anziehend. Ich habe schon öfter Schönberg gesungen. Es gibt verschiedene Dinge. Es gibt natürlich die frühen Lieder, die sehr tonal sind. Es gibt auch eine Erwartung, die ist absolut tonal. Und dann natürlich die Erwartung, die er später geschrieben hat. Dieses Stück, was wir versuchen zu realisieren. Und ich habe es schon konzertant gesungen, also schon relativ am Anfang meiner Sängerkarriere mit Reinbert de Löwe in Paris. Und mit Maestro Janowski in Berlin. Und genau, das mit Maestro Janowski erinnere ich mich sehr, weil das war doppelt emotional belegt, weil ich gar nicht wusste, ob ich nach Berlin komme, weil das war direkt nach dem Anschlag auf die Zwillingstürme in New York. Das war in gewisser Weise sehr belastet und hat aber auch die Figur bereichert, weil das alles beinhaltet, jegliches Gefühl. Aber das kommt dann wieder in diese Facetten von allen Emotionen auszuloten, was man macht, zu was man eigentlich fähig ist. Ob jetzt im wirklichen Leben oder gedanklich oder wie weit man sich eigentlich dehnen kann, emotional. Das finde ich sehr spannend. Mélanie est parfaite pour ce genre de répertoire, déjà parce qu'elle a, elle a beaucoup travaillé Schönberg, et ensuite parce qu'elle amène à la fois quelque chose qui peut être assez doux et inquiétant, et en même temps elle a une force et dans la voix, elle a une voix assez exceptionnelle, de beauté déjà, et puis de force. Elle a cet objectif-là, cette énergie-là de tenir jusqu'au bout. Choses dans l'art qui me touchent particulièrement, et là je les ai trouvées en faisant des recherches autour de cette œuvre-là, l'expressionnisme allemand, dans la peinture, dans l'écriture, la naissance de la psychanalyse, parce que cette œuvre-là est vraiment associée aussi à ça, en tout cas Herbert Hong est utilisé un peu comme un exemple d'hystérie féminine. Et puis l'histoire, la librettiste, donc je parle de la psychanalyse parce que Marie Pappenheim, qui a écrit donc le livret d'Herbert Hong, est certainement une parente de Bertha Pappenheim, qui était Anna O, le premier cas, première patiente de Breuer, qui a fait des études sur l'hystérie avec Freud et sur laquelle il a essayé pour la première fois l'hypnose. C'est une étude déjà assez intéressante et qui est en comparaison avec cet opéra-là et qui m'a particulièrement touchée pour ça. Et puis la vie de cette femme-là aussi, son destin incroyable. Bon, très rapidement, en cherchant dans l'œuvre, en la travaillant, j'ai eu envie de faire appel à des danseurs. Parce que la forêt que cette femme vit, qu'elle appréhende, c'est une forêt qui est très souvent personnifiée, elle en a peur, et j'avais envie que les danseurs soient avec elle dans cette recherche-là. Donc j'ai pensé plus particulièrement au Buteau, parce que les danseurs de Buteau dansent la noirceur de l'être. Ils dansent la folie, l'égarement, ils dansent
la petitesse, l'hypocrisie, ce genre de sentiments qu'on laisse un petit peu de côté chez nous et qu'on estime être des sentiments négatifs. Ils vont chercher, ils ont une vraie recherche de ce type de sensations, d'émotions et de psychologie. Et j'ai pensé à Gyoé particulièrement parce que parmi les danseurs de Buteau, Gyoé est un danseur qui a fait une recherche particulière sur la nature, sur la végétation, et puis aussi parce qu'il a une danse lumineuse. À chaque fois qu'il danse, même en cherchant au plus noir de l'être, il y a une lumière qui se dégage. Et je trouve cette opposition-là intéressante. L'idée est venue de créer une deuxième partie, et donc de créer un opéra. Ce serait sur le même thème, une autre vision du même thème. Également cette femme, ce rapport-là, également de travailler sur l'hystérie féminine, mais de travailler sur cette énergie sexuelle qui, lorsqu'elle est assumée, pas frustrée, libérée, donne une créativité incroyable, une force incroyable, et je voudrais travailler sur ce caractère-là de la femme sacrée.